Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel numéro 30 de World of Final Fantasy. Et aujourd'hui nous allons apprendre comment faire pour capturer le Mog Marin. Alors je vous rassure, rien à voir avec Christian Morin, le joueur de clarinette. Non, là on parle bien du Mog Marin. Un Mog qui a décidé de faire sa vie sur les mers, sur les flots, à la One Piece, hein, vous connaissez. Donc avant de le capturer, bien sûr, regardons la fiche technique du Mog Marin. Donc le Mog Marin, c'est le numéro 72 de la liste des compagnons. Il est de taille petit, on va le trouver dans le port de Saronia. Et pour le capturer, il suffira de réduire ses PV. Il possède une évolution, mais bien sûr, on s'en branle. Donc, pour trouver le Mog Marin, rien de compliqué. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne pourrez pas trouver le Mog Marin tant que vous n'aurez pas traversé tout le port de Saronia pour aller jusqu'à Faris avec son compagnon. Voilà, une fois que vous avez vu Faris, son compagnon, que vous avez fait la petite scène, hein, je vous spoil pas trop un peu quand même, mais pas trop. Et une fois que vous avez fait ça, là, tout ce que j'ai dit là juste avant, une fois que tout ça là c'est fait, et ben voilà, ça y est, vous pouvez enfin affronter les Mog Marins. Donc aucune inquiétude, hein, ils sont juste par paquet de 5 ou 6, ils font juste des attaques d'eau toute la journée, donc si vous avez un KOE, ça devrait bien se passer. Après il faudra juste réduire ses PV, attendre qu'il brille, une fois qu'il brille, vous lancez la commande capture, et une fois que la commande capture est lancée, et ben vous pourrez à nouveau jouir d'un nouveau compagnon dans votre besace. Voilà, je pense que cette vidéo était géniale. Je me suis beaucoup amusé à la faire. Je remercie bien sûr mon public, mon public qui me suit depuis toutes ces années. Et je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Merci et au revoir. Bon, ça va, fermez-la maintenant, bande de pégus.